Mort d'Avicii, la police a déterminé les causes de son décès mais refuse de les révéler. Le DJ suédois Avicii est mort ce vendredi 20 avril. Les autorités du sultanat d'Oman ont décidé de ne pas révéler les causes de son décès. Pour le moment, on ne connaît pas encore les causes du décès d'Avicii. Ce vendredi 20, le DJ suédois a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il était avec des amis depuis quelques jours pour des vacances. D'après des déclarations officielles, la piste criminelle a été définitivement écartée, après que deux autopsies ont été pratiquées sur le corps du jeune homme de 28 ans. Nous confirmons qu'il n'y a aucune piste criminelle retenue pour la mort de la star mondiale de la musique électro, a déclaré une source policière à l'AFP. Cependant, les autorités connaissent les causes de sa mort. Les autorités policières de ce pays du Golfe ont pourtant toutes les informations sur la mort d'Avicii, ainsi que les conclusions sur les circonstances de cette tragédie. S'ils ne veulent rien révéler pour le moment, c'est pour respecter les vœux de la famille du musicien suédois. Ils refusent de les rendre publics pour des raisons de confidentialité, explique la source à l'AFP. Depuis l'annonce du décès d'Avicii, les hommages pleuvent. De Madonna à David Guetta en passant par la famille royale suédoise, les messages d'artistes et d'anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune suédois.